Monsieur l'homme, que dire de cette situation? Nous n'avons littéralement plus rien. La base a été complètement détruite. Et j'ai envie de dire, c'est là-dessus qu'on va commencer cet épisode. Et Sirenhead est pas loin. Ouais. Et comme si tout n'était déjà pas assez terrible comme ça, eh bien, Sirenhead est là. Ou aucune idée, mais il est en approche. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire une autre chose. Il semblerait qu'il y ait plusieurs Sirenhead qui puissent spawner à la base. Parce que, ouais, je vous rappelle que dans le dernier épisode, il y a un Sirenhead qui a décidé de camper ma base. Et oui, Jamy. Donc ça, c'est ma base, messieurs dames. Oh, holy shit, y'a plus rien, frérot. Kiki, titi, Siren, t'es là, frère? Non, fabuleux. On va pouvoir enchanter un petit peu de stuff. Je pense que faire un petit peu de munitions et surtout avoir quelque chose de sympa sur l'épée, bah, ce serait vraiment pas trop, hein. Parce que, ouais, c'est la galère. Écoutez, pour ça, eh bien, il va me falloir deux niveaux. Et pour faire deux niveaux, bah, il n'y a qu'une solution. C'est partir dans l'enfer du Nether et espérer que rien ne se passe. Voilà, Ketal ! Oh ! Holy shit ! Il y a quelque chose qui s'approche ! Oh ! Oh ! C'est une blague ! Je crois que c'est sur le pont ! Oh la vache, oh la vache, oh, oh, il y a deux Sirenhead, frérot, c'est ce que je vous avais dit, il y en a deux, oh, 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 ça casse ma base, allez, barre, Johnny, oh, holy shit, enfin, deux tchou, ils ont tout pété, les cons, oh, nom d'un chien, ok, bon, restons calmes, on est dans le Nether, normalement, ça va bien se passer, il va me falloir deux niveaux, et on rentre à la base. Comme ça, on espère avoir quelque chose qui va me permettre de farmer le creeper en tabarnak. Et ensuite, eh ben, ce sera l'heure de s'armer et de détruire de la sirène sirèneuse. Si, seigneur, que c'est vrai, ça. Voilà, allez, donne les niveaux, toi. Imbécile que tu es. Oh, oh non. On l'avait oublié, celui-là. Cours, Johnny, cours pour ta vie. Oui, bien sûr. Voilà, nickel. Voilà qui est fabuleux. En fait, non, il y a de la lave. Voilà, voilà. Et en plus, ça va me permettre de réfléchir un petit peu. Parce que là, présentement, mis à part pleurer très très fort sur mon sort, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oh. File de là. Méchant chien, voilà. Voilà, qui est parfait. Donne-moi ça, toi. Oh, encore un micro-niveau et on est bon. Voilà, file de là. Titi, viens ici, viens prendre ta calotte. Voilà, parfait, niveau 30. On rentre à la base. Et bah on verra ce qui va se passer, j'ai envie de dire, hein, parce que présentement, j'ai envie de dire qu'on est plus sur une fin de série que sur un début d'aventure, là. Ouais. File d'ici, Pumba. Oh, en fait, c'est moi qui file d'ici. Voilà, Pumba, gentil. Et voilà. C'est quoi ce bruit? Tu vas pas me dire que le Goatman il est de retour? Je croyais l'avoir supprimé du jeu. Oh, oh, mon de Dieu. Oh, mon de Dieu. Oh, oh. Feu, avant mon tabarnak. Ça crève pas. Il y a un trou dans ma base. Holy shit. Holy shit. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai loupé. Oh, il y a quelque chose qui vient de rentrer dans le sol. Oh, ok. Calmons-nous, ça va bien se passer cet épisode. Si, seigneur, que c'est vrai, ça, allez, hop. Sharpness 4. Et Sharpness 4, looting 3. Écoutez, j'accepte cette donation. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, regardez-moi tout ce fer. Mais c'est magnifique. Mais frérot, j'en avais besoin avant de ce fer. Avant qu'on se fasse déglinguer par le sirèneux. Si, seigneur, alors. Il va me falloir des pépitas. Normalement, c'est bon, les pépitas, on a ça. Mais il va me falloir énormément de gunpowder. Du coup, écoutez, messieurs, dames, pour avoir de la gunpowder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir dans les profondeurs de l'enfer. Ou bien attendre que la nuit, elle tombe. Et la nuit ne tombe pas. Donc, écoutez, messieurs, dames, j'ai envie de dire, prêt ou pas, aujourd'hui, on va se battre. On va se battre très très fort. Il va me falloir plusieurs chargeurs d'AK. Et ensuite, je dis bien, et ensuite, partir à l'aventure. Non, je ne courrai pas. Je vais me battre tel un homme. Et je vais sans doute également pleurer comme une petite fille. Mais écoutez, ça,
C'est un autre détail. D'ailleurs, Pâques, quelques petites carottes dorées en plus, ça pas beaucoup. Mais écoutez, ça devrait suffire pour l'expédition. Voilà, on va faire bien bien attention à ce qui se trouve autour de moi. On n'aimerait pas qu'un méchant Gottman vienne me tataner la gueule. Oh là là. Ok. Oh! Oh, c'est tout proche. Oh, c'est terrifiant. On sait pas où est-ce que c'est, mais c'est là, hein. Oui. Allez, il me faut une dizaine de creepers, et normalement, on sera bon. Ça, ce serait la meilleure chose au monde, ça. Un petit creeper. Oh, un bâtiment. On l'a jamais vu, ce bâtiment-là. Bonjour. Bonjour, frérot. Je vais venir me cacher ici quelques secondes, hein. Oui, tu vas être gentil. Allez, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. J'ai besoin de bastos, frérot. Je sais qu'il y en a dans ces bâtiments-là. Oh, et... Et voilà, nickel, on va pouvoir recharger l'AK. Oh, mais on a toujours besoin d'énormément de creepers. Oui. Bon garçon. Oh, la nuit vient de tomber. Ok. Hola, que tal? Ouais. J'arrive, mes cocos. Elle est où, ma lampe torche? Allez, pas de sirénade, j'ai besoin de creepers, les gars. Venez, les cri-cri, venez. Non, personne va t'aider, mon tabarnak. Tu vas crever. Tu vas te faire mitrailler le cul par tonton. Oui, c'est exactement comme ça que c'est censé se passer. Oh, creeper ou pas? Oh non, c'est pas un creeper, c'est un Gottman. Il a disparu, pas lui, par contre. Ok. Ok. Oh! Fille, imbécile que tu es! Voilà! Oh! Cours, tonton, cours! Oh! Allez! D'accord. Ça m'a coûté combien de balles? Beaucoup trop, hein? Beaucoup trop! Ok. Oh, il est juste là. Ok, bon, on va pas rentrer à la base, en fait, hein. Oui, toi, donne-moi des trucs. Alors, voilà, toi aussi, donne-moi un creeper, s'il vous plaît. J'ai besoin de creeper, j'ai besoin de survivre. C'est pas déjà la fin de la série, quand même, alors. Bien, bon toutou. Petit. Voilà, nickel, je coupe en deux, moi, alors. Imbécile de saucisson, on va. Fabuleux, deux de gunpowder. Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire des trucs de ouf. Mais écoutez, faute de mieux, je prends. Oh! Ok. Trois gunpowder. Il m'en faut encore. Ça soufflote dans mon oreille. Ça fait. Arrête de faire. Ah, t'es vachement dégueulasse comme bonhomme. En plus, tu pues de la gueule, frère. Alors, c'est quoi cette histoire? Il est où l'autre? Ah! Cours, Johnny, cours! Ouais. Allez! Cours, mon John! Cours! Oui! On sauve les hommes! Et pas les femmes et les enfants, bien sûr! Johnny en premier! Oui. Oh, sa grosse tête, là. Allez. Oh, tataneur, va. Oh, ouais, t'es un tataneur. Oh, oui. Non. Laisse-moi tranquille. Oui, non, pas le Gottman non plus, frère. Oh, non, j'ai des petits frissons. Oh, on va crever. Oh, il fait tellement mal. Je suis en full P4, frère. Tiens, mange des bastos, imbécile. Cours. Oh non, j'ai suicidé. Oh, laisse-moi en paix, s'il vous plaît. Oh, je suis mort. Oh, je suis fucking mort. Laisse-moi tranquille. Ça va. Il est parti. C'est bon. Oh, c'est quoi ça encore? Oh non, j'ai ressuscité. Oh, l'imbécile. Ok. On va s'enterrer ici. Voilà qui est parfait. Non. On veut pas mourir comme ça. Pas dans ces conditions, frère. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas comme ça, Zinedine. Ok. Allez, du creeper maintenant. C'est exactement ce pourquoi on est venu. Qui les creepers, venez voir tonton. Petit. Oh, viens là, mon régaleur. Viens ici. Oh, il y a deux régaleurs. Oh ouais. Oh, il y a trois régaleurs. Oh la vache. Alors ça, il faut que je les ai absolument. Non, vous pétez pas. Non. Oui, bien sûr. Non. Mes régaleurs. Oh frère, j'ai que 5 gunpowder. Bon, ça va, on est dans un mineshaft, on peut trouver des balles.
peut trouver de la bastos. Que saleté d'araignée, va. Saleté d'araignée vénéneuse. Belle d'ici. Voilà, nickel. Hop, on casse tout ça. Voilà. Et ça, ça dégage. Voilà, qui est parfait. Toi, arrête de m'empoisonner, ce serait vachement gentil. Allez, mon frérot, donne un truc. Titi, petit. Pas de sirenade, hein. Non. Voilà exactement ce qu'on cherchait, des munitions. Voilà. Oh, c'est quoi cette dinguerie là? Oh frérot, le sirèneux, on va le déglinguer. 250 balles à 6 de dommages. Holy shit! Avec 64 balles en plus. Oh ouais, viens ici toi. Voilà, donne plus de munitions à tonton. On va le déglinguer le sirèneux, nous. Viens voir. On va le capturer. Non, non, pète pas, frère. Oh, des diams. Mais tout se passe bien aujourd'hui. Oh, j'adore ça. Oh, non, c'est pas du diamant. Ok, bon, c'est pas grave. On va remonter à la maison maintenant. Sirèneux ou pas, c'est l'heure de la révolte. Aux armes, citoyens. Oh, il vient de sortir de la base. Oh, il vient de sortir de la base, frérot. Feu. Ça le touche pas. Je suis trop loin. Oh non. Oh, d'accord. Ok. Il va falloir mettre en place un plan. Est-ce qu'on descendrait pas dans la base pour le tataner? Oh, avec son bruit terrifiant. Oh, ça arrive. Oh, il arrive. Nom de Dieu. Allez. Feu. Je vais crever, je suis désolé, frérot. Oh la vache, oh comment je suis tout désolé, frère. Voilà, feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est enterré. Oh non, c'est pas du jeu, frère. Je lui ai tatané la gueule et il s'est enterré. Je vais te déterrer, moi. Je vais te déterrer des grands morts. Allez, sors de là, imbécile. Sors. Viens voir tonton. Allez, frère. Je t'ai vidé deux chargeurs dessus. Faudrait quand même faire des trucs, hein. Ouais, sors de là. Frérot, ma base. Oh, j'ai plus rien. Il a tout déglingué. Il s'est réenterré dedans, en plus. Oh non! Il vient de sortir! Oh shit, il vient de sortir! Oh! Il creuse! T'apprendras à creuser, moi! J'ai pas besoin de lui apprendre à creuser! Oh! Allez! Pour l'honneur! Pour la série! Pour la team 2.0! Tu vas crever! Feu à volonté! Oh! Oh mon Dieu! Oh! J'ai plus de stuff, j'ai plus rien! Il est où l'autre? Oh! J'ai plus rien, frère! J'ai plus rien, j'ai tout perdu! Oh! J'ai tout perdu, j'ai plus rien. Oh! Donne mes trucs, toi. Il y a plus de munitions, il y a plus rien, messieurs dames, plus rien du tout. Oh! Bon, eh bien écoutez, messieurs dames, malheureusement, j'ai envie de vous dire que pour ma part, à mon avis, c'est la fin de cette saison 2 de From the Fog. On se retrouve très bientôt pour une surprise entonneuse. J'ai envie de vous dire peace et à très bientôt. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma toute nouvelle chaîne, John 3.0. La chaîne est en commentaire épinglé.